Salut les filles, alors aujourd'hui je viens vous montrer la commande que j'ai effectuée sur le site nonpareilboutique.com. Alors je l'ai faite déjà parce qu'il y avait moins 25% sur les produits NYX, mais c'est surtout parce que je voulais tester les produits Wet n Wild. On en entend beaucoup parler sur les chaînes des youtubeuses américaines, entre autres, et voilà. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Alors, on va commencer par les produits NYX. Donc, en fait, j'ai pris uniquement des rouges à lèvres. J'en ai pris 4. Alors, je vais commencer par le Frappuccino. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'en ai mis un petit peu sur mes lèvres. Pour le swatch, ça donne ça, donc c'est un très joli rose, il est doux. Ensuite j'ai pris le orange soda. Alors la couleur est jolie, mais c'est pas pour ma peau, franchement c'est trop clair. C'est voilà, c'est une belle couleur, mais malheureusement je trouve que avec ma carnation non, ça non. Voilà, donc vous l'avez là. Ensuite, j'ai pris le Cyclia. Voilà, qui a un beau marron, qui tient un peu sur le rouge quand on le met sur, sur les lèvres. Voilà. Il est vraiment léger sur le rouge. Voilà. Donc, vous l'avez juste là. Et pour terminer, côté rouge à lèvres NYX, le B52. Voilà, qui est un rose, on dirait comme la couleur bois de rose. Voilà. Un joli rose qui tire plutôt vers le parme, enfin le, ouais, le violet, enfin voilà. Vous m'aurez comprise. Voilà, donc les rouges à lèvres NYX, super bien hydratant, crémeux. Bon. Voilà, ensuite j'ai pris un autre rouge à lèvres, donc de la marque Wet n Wild. Donc c'est le numéro 516C. Voilà. Je le trouve super beau. J'ai pas arrêté de le mettre depuis que je l'ai reçu. Enfin, je trouve que, ouais, il est beau, quoi. Vous décrire la couleur, je sais pas. Vous voyez à peu près là ce que ça donne. Sur ma peau et sur mes lèvres, c'est pas tout à fait le même résultat, mais bon, voilà. Comme ça. Ensuite, j'ai pris dans la marque de Wet n Wild un trio, enfin des fards à paupières, un trio et des palettes de 8 pannes. Donc, pour le trio, j'ai pris Caresse du Soleil. Voilà. Donc c'est une petite palette comme ça avec tout ce qu'il y a à mettre sur la paupière, le creux et sous le sourcil. Donc c'est bien, c'est indiqué, vous avez les trois couleurs. Derrière, vous avez un petit schéma, voilà, pour vous aider, vous guider. Pour les couleurs, alors, ça donne ça. Pour le trio, coucher de soleil, non, caresse du soleil, pardon. Les swatchs. J'ai les doigts tout noirs à force d'avoir swatché des couleurs. Voilà. Donc, moi, je trouve que ce sont de belles couleurs. Excusez-moi, j'ai les doigts tout sales. Voilà. Pas trop poudreuses. Bon, il y en a qui sont quand même un petit peu poudreuses, mais c'est pas catastrophique. Bien pigmentées, je trouve. Ouais, bon, les couleurs les plus claires, peut-être un peu moins, mais sinon, voilà. Ensuite, j'ai pris la palette de 8 pannes en pétale à fleur de peau, pétale pusher, la numéro 736, qui se présente comme ça. Bon, il y a eu un petit accident lors du voyage, malheureusement, mais bon, c'est pas... Je vais pas en pleurer, hein. Donc voilà, les 8 pannes, vous avez... Également des combinaisons de couleurs à faire sur les yeux. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc
toujours pareil, indiqué sous les sourcils, le creux, la paupière et ainsi de suite. Voilà, donc pour les swatchs, non, c'est pas celle-là. Les swatchs, voilà, ils sont là. Mince. Bon, j'espère que je vais lever. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Je suis désolée. Je suis pas très à droite. Voilà. Ensuite, la deuxième palette que j'ai prise, c'est Gel et Bleu, la numéro 737. Donc, sur le site de Non Pareil Boutique, il y en a trois. Il y en a une qui est en rupture de stock, mais que j'ai commandée parce que je la voulais de toute façon. Voilà, donc c'est celle-là, donc toujours pareil, les couleurs. Derrière, vous avez les schémas, les combinaisons possibles entre couleurs. Ils vous proposent en tout cas. Et les swatchs. Voilà. Donc, les palettes comme ça, elles sont à 7$. Les trios, ils sont, je sais plus, 3$, je crois, 3$ quelque chose. Ben, je suis bête. J'ai la facture. Oui, ils envoient une facture, ça c'est bien. Alors, les palettes de 8 pannes, 7$. Le trio, 3$. Ah, j'ai oublié aussi, j'ai commandé le... un fard à paupières NYX dans la... c'est le Wildfire. Ben, c'est celui que j'ai sur les yeux d'ailleurs. Ah, il est beau. voilà, donc ensuite, bon, ben, les vernis NYX, ça, ils sont pas chers. Ils sont à 2,50€ et 2,25€ et 3€ pour certains. Le rouge à lèvres Wet n Wild, il est à 1,10€. Voilà, donc plus les frais de port et les moins 25%. Voilà, donc ça a mis 2 semaines à peu près pour arriver, donc ça va, c'était pas trop long. Voilà, bon, ben j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous aurez aussi envie d'essayer les produits Wet n Wild. Mais en tout cas, pour le moment là, je suis conquise. Voilà. Et ben je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.